C'est parti pour cette quatrième épreuve à mon départ pour Always a Pleasure à l'extérieur. Melt Away est sollicité, tout comme Accelero, mais pour l'instant avantage à Always a Pleasure qui insiste et qui va prendre le train à son compte devant Melt Away qui va évoluer en deuxième position. Accelero est troisième et retrouve les barres. En quatrième position, on retrouve Alvaro. Ensuite, il y a Uli de leur sillage. On retrouve Upton Park, Paraguayito, Baraloche et Pleasing Dance. Alors qu'on est en pleine descente, bientôt plus que 800 mètres à parcourir. Always a Pleasure a toujours l'avantage devant Melt Away. Accelero, un beau parcours jusqu'ici en troisième position et corde. Alvaro est quatrième. Ensuite, on retrouve Uli, Upton Park, Paraguayito, Baraloche, Pleasing Dance. On a accroché la roue du gouvernement dans quelques foulées. Voilà que Melt Away va mettre la pression sur Always a Pleasure. Accelero est toujours très très bien placé en troisième position. Et côté corde, il est rejoint maintenant par Uli qui commence sa descente. Alvaro encore bien dans le coup. Upton Park et Baraloche tente de se rapprocher. Pleasing Dance en queue du peloton alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Uli qui est parti de très très loin maintenant. Lancé par Bénédicte Coulboeuf. À l'arrière, Accelero va tenter de refaire son retard. Mais Uli est très très fort cet après-midi et va aller s'imposer dans cette quatrième épreuve devant Accelero, Alvaro et Pleasing Dance. Victoire des plus faciles de Uli dans cette quatrième épreuve. Et la super montre de Bénédicte Coulboeuf qui va prendre le first run sur ses concurrents.